voir sur l'écran. Donc le combat oppose Monsieur Hirano qui joue Son Goku contre Monsieur Kashino donc, qui joue Vegeta. Alors je peux voir qu'il y a vraiment eu un net travail sur l'amélioration des effets de lumière. Voilà, c'est vrai que le rendu est très très joli. Donc la version actuelle est une version bien sûr en cours de développement qui tourne sur un PC. Donc le rendu pourrait être un tout petit peu différent comparé à la version finale console. Mais bon, je suis confiant vu la puissance actuelle de la PS4 ainsi que de la Xbox One. Alors je remarque aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas de frame d'invincibilité comme dans les précédents jeux. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire des bons choix stratégiques pour ne mener votre personnage à la victoire. J'espère que nous aurons l'occasion de regarder une attaque spéciale. Ah voilà. Bien entendu, ça ne suffit pas, Vegeta est encore vivant. J'espère que... Bon, ça sentait un petit peu le coup. Alors nous avons beaucoup travaillé sur les éléments de décor qui sont destructibles. Donc comme vous avez pu voir, le pilier s'est écroulé donc, avec un très très bel effet de cel-shading. Donc c'est vrai que globalement le jeu est très très, très, très joli quand même, avec les contours noirs. Donc bien sûr la caractéristique principale du cel-shading. C'est vrai que c'est assez réaliste, on dirait vraiment qu'on regarde un combat, donc l'animé.